couleur de ce téléphone. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Bonjour, 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 bon matin. Oui, bon matin, bonjour à tous. Bonjour, bonjour là-bas. Je n'aime pas ce téléphone-là. Comment vous allez là? Comment vous allez? Je vois que vous allez bien. Bon, je vais écrire. Demain samedi, j'ai des livraisons à faire. Info immigration. Ouais. Info immigration. Immigration et vivre africain. Demain, j'ai de la Tseke et du Placali à aller livrer à Laval. Donc, vous pouvez me faire vos commandes là. Et vivre africain. Profitez pour partager le sujet dont je parle. C'est un sujet qui est très récurrent en Afrique. Les gens ont des business, ouais. Tu as ta business qui fonctionne très bien. Maintenant, pour payer les employés, il y a un problème. J'ai reçu le courrier de cette jeune fille-là. Je vais débattre ça environ 30-40 minutes et puis bon, on va se laisser. Info immigration et vivre africain. J'ai dit que l'homme africain, parfois, tu as l'impression qu'il a le sang noir. Le sang noir. Dieu nous a mis au monde, nous tous, la couleur de notre sang rouge, hein. Mais on dirait que pour nous, là, c'est noir. Il ne peut pas comprendre ça. Toi, tu as ta business, ça fonctionne bien. L'argent passe sous les yeux des employés. Et toi, tu ne payes pas des employés. Maman, info africain, info immigration et vivre africain. Appelez. Je mets mon numéro toujours maintenant. Parce que je suis une femme d'affaires maintenant. Donc, profitez pour partager. 514. 570-83-97. Ok. Arrêtez de m'appeler, je ne vais pas décrocher, surtout pas à cette heure. Angela Koufor, bon matin. Béni de Dieu. Bon matin à tous. Partagez parce que le sujet est important. Vous comprenez? Le sujet est important. L'impacteuse ne va pas travailler en Afrique. Mes enfants ne vont pas aller travailler en Afrique. Ça fait du bien. Un bon 3 semaines sans café, ça fait du bien. Mes amis, profitez pour partager déjà. Parce que je vois que vous êtes là, le nom qui est déjà là. Si vous partagez, ça va faire du bien. Ça va apporter quelque chose. Parce que cette jeune fille qui m'a écrit... J'ai essayé de rentrer en contact avec sa patronne. J'ai essayé. Maintenant, là, on fait les choses de façon professionnelle. Quand on vient te parler sur les réseaux sociaux, tu n'as pas bien jeter les gens en pâture. J'ai essayé de parler à sa patronne, tout et tout. Elle m'a dit, l'impacteuse, je te suis. Elle voulait que je lui donne le nom de ce qu'il lui a donné. Ça dit qu'elle est venue m'envoyer le message. J'ai dit, jamais. Pourquoi je vais te donner le nom? Voyez-vous comment vous êtes? Ce qu'on vous reproche, c'est vrai, mais vous cherchez le nom de la personne qui m'a dit. Ça ne se fait pas. Est-ce que la personne qui m'a envoyé le courrier sous l'anonymat a dit, la personne a menti? Non, la personne n'a pas menti. Donc, tu ne peux pas me dire, non, l'impacteuse, donne-moi mon nom. Tu veux son nom pour la sanctionner? Non, je ne vais pas te donner son nom. Parce que si je voulais te donner son nom, ton entreprise, là, ça dit ton hôtel, là, j'allais te mettre sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de te mettre sur les réseaux sociaux parce que tu ne payes pas tes employés. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous avez des business en Afrique. Ça fonctionne pour vous. Mais pour payer le pauvre salaire, des petits employés qui ont des diplômes. C'est parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Je vous ai dit que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Quand je dis ça là, je mets tout ça là dedans. Je mets les comportements dedans. Mes amis, partagez le direct. C'est une jeune fille, oui. Elle a même déformé son âge, tout et tout, selon ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, tu as bien fait. Une jeune fille de 26 ans qui m'a écrit. Elle m'a dit, bonjour maman impacteuse. Tu es ma mère parce que j'ai 26 ans. Oui, c'est vrai. Souvent, on en voit, on entend sur les réseaux sociaux, tel est ton petit frère. Si elle a 26 ans, je suis sa mère vraiment. J'ai dit, les adultes qui sont sur les réseaux sociaux, et puis quand je calcule mon âge, ça dit que
J'étais mineur quand ils sont nés là. Je ne suis pas leur mère. Mm-hmm. Je tenais à vous dire ça. Parce que quand on dit tel est mon petit frère, non, tu peux l'accoucher. Je peux l'accoucher, mais je ne l'ai pas accouché. Je dis, votre mentalité grégaire des Africains là, gardez ça pour vous. Mm-hmm. Tant que je suis mineur, je ne peux pas t'accoucher. Mm-hmm. Voilà. Parce que vous, ma fille Wendy, elle là, je ne veux pas qu'elle fasse un enfant. Celle-là, elle a 26 ans. Moi, j'ai 46 ans. Donc, je peux l'accoucher. C'est ça qu'elle a. Donc, les appels de, il perd ton petit frère, il perd ton enfant, il n'est pas ton petit frère. Allez-y vous faire foutre ailleurs avec ça, avec vos mentalités. Je suis revenue en force. Bonjour, maman impacteuse. Tu es ma mère parce que j'ai 26 ans et je travaille depuis 5 ans dans un grand hôtel à Assini. Dans un grand hôtel à Assini qui appartient à une sœur ivoirienne et à son mari blanc. Mais le problème, c'est que les affaires marchent très bien. L'hôtel fonctionne, le restaurant, elle fait des grands séminaires où elle amasse beaucoup d'argent, mais elle ne nous paye pas. Souvent, elle saute un mois ou nous paye à moitié ou en retard. Maman, je serre mon cœur parce que je vais aller un jour en Europe et j'économise mon argent. Lis-moi, oh maman impacteuse, je t'aime. Mes amis, voici le problème. Je lui ai dit, tu peux faire un effort. Elle m'a dit que ma patronne te suit. Notre patronne, elle te suit. C'est une jeune dame qui a vécu en Europe. Oui, je vais dire l'Europe même pour essayer de toujours mitiger. Qui a vécu là-bas. Merci pour les étoiles déjà. Qui a vécu là-bas avec son mari. Et elle est venue à Abidjan pour monter affaires. Elle a monté une business québécois. Elle a monté une affaire, une business qui fonctionne très bien. Mais le problème auquel ses employés sont confrontés pour payer leur salaire, c'est Denis Katanga. Pour payer le salaire des gens, c'est Denis Affaire. Mes amis, ça c'est le prototype des Africains en Afrique. Ils ont leur business, ils ont des affaires qui fleurissent très bien. Mais pour payer l'argent, pour enlever le salaire des employés qui font le travail, c'est un problème. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour ça qu'elle demande, est-ce que notre sang là même là, c'est noir dedans? Parce que je n'ai pas encore vu ça chez les blancs ici. Ici, tu as travaillé un jour, même si tu dis que je m'en vais, la semaine qui vient là-bas, on va t'envoyer ton salaire. Mais en Afrique, c'est pas ça. Les gens travaillent pour vous. Des gens font de telle sorte que vos affaires marchent très bien. Et pour payer leur salaire, ça devient des problèmes. Vous les maltraitez. Oui, parce que c'est de la maltraitance. Je travaille pour toi. Ton revenu fonctionne bien. Je t'apporte quelque chose. J'apporte de la productivité à ta business. Mais pour que moi, tu me donnes mon salaire, je dois te supplier. Ou bien on va sauter un salaire. Est-ce que c'est normal? Quand toi, tu sautes le salaire de cet employé, puis tu dis que non, le mois prochain. Et tenez-vous bien. Quand elle saute le salaire de ses employés, elle ne paye pas tout. Hein? Elle va payer la moitié de ce qu'elle a sauté là. Et puis, elle va compléter ça sur le salaire. Mais c'est des employés, c'est des adultes. Cette jeune fille-là, oui, même si elle a 26 ans, elle est une adulte, elle a ses responsabilités, elle a ses charges. Donc pourquoi quelqu'un va travailler pour toi? Et puis quand arrive le moment de payer le salaire, tu fais, ça dit, tu fais le mauvais cœur noir. La jeune fille m'a dit, l'impacteur, c'est elle le problème parce que elle contrôle son mari, elle a le dessus sur son mari. Quand on se plaint un peu de temps en temps à la caisse à son mari, il fait ça, ben, c'est votre soeur, hein, c'est pas moi. Là, j'ai compris. Je sais qu'il y a nos soeurs africaines. Quand elles sont dans ce genre de position-là, elles se disent qu'après Dieu, c'est elles. Ma chérie, hein, j'ai parlé avec toi. On s'est parlé respectueusement. Il faut payer le salaire des employés. Mais tu n'es pas la seule. C'est pour ça que bien que j'ai parlé avec toi, j'ai dit non, cette affaire-là, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que oui, c'est vrai, on a parlé. Oui, les partenaires, quand tu as venu à Abidjan, je t'invite à mon hôtel, tu as venu voir. Ça, c'est pas ça le problème. Hein. C'est pas, on n'était pas là pour ça. On était là pour dénoncer un fait. On est là pour dénoncer un comportement que des Africains ont. C'est pas seulement à l'hôtel, partout. Mais c'est ce qui explique que tout le monde veut aller travailler dans les fonctions publiques en Afrique. Ah oui, c'est ce qui explique ça. Tout le monde veut avoir des concours. Tout le monde veut aller maintenant. Ça dit qu'on se dit à la fonction publique, c'est comme si mon pied est sur caillou. Là-bas, au moins là, on va me virer mon salaire. Chaque fois, j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé. Je suis malade, je ne suis pas malade. On va me virer mon salaire. Donc, c'est ce qui explique que souvent, il y a des problèmes en Afrique. J'ai dit qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Oui, c'est très méchant. Moi, j'ai trouvé ça
méchant et triste. Voyez-vous cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle a dit? J'économise mon argent pour aller en Europe. Voyez-vous ce genre de trucs-là? Comment l'Afrique va évoluer? C'est une jeune fille qui a 26 ans, elle a son BTS, tout et tout. Elle travaille dans cet hôtel-là depuis 5 ans. Elle a dit, la maman, depuis 5 ans, c'est la souffrance. Les cris, les humiliations devant les clients, tout et tout, on en passe. C'est pas grave. Dans la vie, quand tu cherches, tu sais le cœur. Mais notre salaire-là, pour qu'elle nous donne ça, maman, il faut vraiment que tu ailles pour lui parler. J'ai dit, tu veux que lui, il faut lui parler, mais il ne faut pas dire mon nom, tata. J'ai dit, je ne vais pas dire ton nom. Pourquoi je vais dire ton nom, maman? Déjà même, tu m'expliques la situation, ça fait pitié. Et ça, je lui ai demandé à cette dame-là, ce genre de comportement que vous avez, est-ce qu'en Europe, tu peux te comporter comme ça? C'est ça. Vous trouvez que nous autres, nous sommes dédaigneux, nous sommes hautains, mais moi, je respecte les droits de l'autre. C'est ça. Mais toi, tu as vécu en Occident. Tu as laissé l'Occident aujourd'hui avec ton mari. Tu vis en Afrique là-bas. Ça va chez vous. Et toi, tu prends tes frères africains, tu marches sur eux, tu les écrases. Mais oui, dès lors que je travaille pour toi, et puis la business fonctionne très bien, tu ne veux pas payer mon salaire, mais c'est la méchanceté. C'est comme tu ne me vois pas comme un être humain avec toutes mes charges. Moi aussi, ce personnel-là a de la famille. La fille m'a soulevé beaucoup de problèmes. Elle t'embauche souvent pour un seul travail. Elle te dit, bon, voici ce que tu vas faire. Exemple, tu vas être caissier. De caissier là, tu vas te retrouver dans la cuisine à laver la vaisselle. Tu vas faire ça. Tu vas rentrer ici, tu vas sortir ici. Je lui ai expliqué, même dans le système américain, ça existe. Oui, c'est vrai. On peut te prendre comme une caissière. Mais quand il y a du monde dans la salle, c'est tout à fait normal que si la caisse est vide, c'est tout à fait normal que tu viennes aider aussi dans la salle. Exemple, pour débarrasser, pour faire les trucs. Mais une caissière encore qui va aller laver les assiettes là, vraiment. Est-ce que c'est les laveurs d'assiettes qui manquent là-bas? Je lui ai dit, mais pourquoi la caissière quitte encore la caisse pour aller laver les assiettes? Yeah! Tout ça là, c'est des abus. Oui, parce que ce que je sais, la caissière peut aller un peu à la salle pour aider s'il y a beaucoup de monde, tout et tout. Mais aller laver assiettes là, tout ça là, on profite sur les gens. Oui, c'est pas grave. Comme je dis là, eux, ils sont prêts pour faire vos belas là-bas. Vous avez vos entreprises. Vous montez des business là-bas. Les jeunes que vous prenez, ou bien les gens que vous prenez pour travailler chez vous là, ils sont prêts pour faire vos belas. Par la preuve, quand ils viennent, tu leur proposes un bon salaire. Elles proposent des salaires de 100 000. Maintenant, pour donner les 100 000 là, c'est dessus à faire. Mes amis, partagez le direct. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas pour moi. C'est pour l'Afrique. C'est ce qu'ils sont en train de parler. C'est pas pour Wendy. C'est pas pour les enfants de Wendy. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand on voit que c'est nous-mêmes, ça dit que qui allions contre nos frères noirs. Parce que son mari, la fille m'a dit, hein, maman, son mari est correct. Il n'a pas de problème. Souvent, même quand elle crie sur nous devant les employés, son mari lui dit, non, fais pas ça. Fais pas ça, c'est des adultes. Et puis, ce sont tes employés. Il faut les traiter avec respect. Mais malheureusement, c'est pas ce à quoi on assiste. C'est ce qui fait que l'Afrique va être toujours derrière. C'est ce qui explique que l'Afrique va être toujours à la queue leu. Vous comprenez? Souvent même là, elles vont prendre aussi les employés. C'est ce que la fille m'a dit. Il y a des choses, même elle leur demande. Elle va les laisser, ça dit que dans l'hôtel là, va faire telle course. Le même comportement que vous avez là-bas, où on prend le stagiaire pour aller payer banane braisée là. Elle fait ça aussi aux employés. Non, va faire telle course. Mais ton employé n'est pas... Je comprends pas. Ton employé n'est pas ton esclave. Il est là dans le cadre d'un travail spécifique. Donc, il fait le travail pour lequel il est là. Non, comme on est en position de force, donc on va écraser ceux qui sont faibles. Pourtant, tu as vécu en Occident. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous, des gens de votre Assini, de votre Bassam là-bas, là, j'ai reçu des échos un peu partout. Il paraît que vous, là-bas, c'est votre travail. Vos hôtels fonctionnent bien. Mais pour payer les employés, j'ai dit que c'est par respect. Je n'ai pas dit le nom de ton hôtel. Maman, sinon j'allais dire le nom de ton hôtel. J'allais dire la responsable de tel hôtel. Tu ne payes pas les employés. Tu maltraites les employés là-bas. J'allais dire ton nom tout de suite. Tout de suite, tu allais devenir célèbre. Mais comme j'ai parlé avec toi, tu m'as dit tu vas essayer d'améliorer. Merci pour les étoiles. La personne qui m'a envoyé les étoiles. Améliorer les comportements. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est quand vous avez vécu en Occident et puis vous partez en Afrique.
C'est ça, la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des vidéos, j'ai dit non, ton employeuse, même si elle est enceinte, tu ne peux pas venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Il y a une perdue, une écervelée qui avait me posé un commentaire. Non, toi-même, tu peux dire que la loi, là, ça s'applique partout. Ben oui, en Occident, c'est comme ça. Tu vas venir parler de la grossesse de ton employé comme ça. Mais vous avez vécu ici, mais quand vous partez en Afrique, là, tout ce que vous avez appris de bien, tout ce qui peut être positif pour l'Afrique, là, non, on ne fait plus ça. On regarde le côté où on peut toujours aliéner l'autre. On regarde le côté où on peut s'asseoir sur l'autre parce qu'on a une assise financière. Mais comment l'Afrique va évoluer? Comment l'Afrique va aller de l'avant? Vous comprenez? C'est à tous les niveaux qu'il y a le problème, au niveau du travail. Il y a une qui m'envoyait un courrier avant, longtemps avant que je tombe malade. Le problème à l'ENA, quand des gens finissent ils finissent l'ENA, pendant que eux ils sont là, ils attendent pour les affectations. On s'en va, on prend des particuliers dehors, des gens qui n'ont rien à voir avec le travail, et ceux qu'on doit affecter, ils sont encore là. La dame même m'a donné l'exemple de leur collègue qui partait enterrer le fameux vendredi. Il a fini. Pour que maintenant on va aller l'affecter, pour lui dire voici ton poste là, jusqu'en Nibi, il est là. Et d'autres souffrent dedans, jusqu'à ce que d'autres tombent malades. Mais oui, si j'ai fini les études, que je n'ai aucun revenu, si la maladie me prend, ce n'est pas la mort qui va venir. Surtout là-bas où tout est payant, à faire des scanners à Katanga, pour faire échographie. Voilà, hein, j'ai fini de faire scanner, 3 scanners, une échographie. On m'a appelé hier encore pour dire non, le médecin dit qu'il faut passer le lundi à 14h30, on va faire une dernière échographie pour voir comment fonctionne. J'ai dit non, je vais bien, les antibiotiques, tout est... Ah, vous aussi, je vais prendre encore une journée de travail. Madame, le médecin a besoin de vous, il faut venir pour une échographie. Donc, je m'en vais encore le mercredi pour échographie de routine. Voici ce qu'on dit, on vit dans des pays civilisés. Mais ce que je critique là, ça peut être en Afrique là-bas, parce que là-bas, il y a l'argent là-bas. C'est ça. C'est pour ça que quand vous me posez des commentaires à la con, je vous réponds à la con. Quand vous me dites non, même au Canada là-bas, il y a les pauvres là-bas. Il y a les pauvres là, mais ils ont accepté les critiques. Ils ont accepté à un moment donné que des gens critiquent. La preuve ici, sur les réseaux sociaux, on critique nos premiers ministres ici. On critique tout le monde. Mais vous là-bas, quand on critique, vous vous opposez, vous trouvez de quoi dire. Alors que c'est là-bas qui est le nid de la souffrance. Alors que c'est l'Afrique qui est le bastion de la misère. C'est ça le problème. Donc vous comprenez? Donc ces gens de l'ENA là, ils finissent leur travail, ils ont fini le travail, pour travailler encore même pour gagner à l'ENA là, Dieu seul sait par quel roucascasse ils passent là-bas pour arriver là-bas, mais ils ont fini encore, pourquoi vous les affectez, ils sont là, ceux qui sont supposés faire le travail sont là, vous les laissez, vous prenez vos protégés, vous prenez vos connaissances, comment on les appelle ces gens, des consultants, on les appelle des consultants, ben, ils ne sont pas dans l'entreprise, mais ils viennent, ils font le travail là pendant que les autres attendent. Voyez-vous comment l'Afrique va évoluer? Comment on va aller de l'avant? On finit les affectations. On a fini de devenir infirmier. On a quitté à l'école d'infirmier. On a quitté à l'école des sages-femmes. On finit. Pour que maintenant, on va t'affecter dans ton poste là-bas. Si tu as la chance là, si Dieu a réservé un long souffle pour toi, c'est là que tu vas manger cet argent-là. D'autres meurent même avant que vous ne les affectiez. Tout ça là, c'est la misère de l'Afrique. C'est pas parce que l'argent manque, c'est parce que c'est une question d'organisation. Moi, quand je critique, c'est parce que je sais que en Afrique, il y a l'argent. C'est parce que je sais que ceux qui sont à la tête des institutions en Afrique là, eux, ils profitent. Eux, ils vivent bien. Ils vivent même mieux que des gens qui sont ici. Ils vivent mieux que des blancs riches ici. Donc, pourquoi vous voulez pas que nous, on critique? Pourquoi on met autant de temps pour affecter ces gens qui ont fini la formation, pour l'affecter dans tel ou d'autres, même affectation prend 1 an, affectation prend 2 ans, il attend. Et en ce moment, il n'a pas de salaire, d'autres meurent dans la misère dedans. Pourquoi le problème de travail n'est pas structuré en Afrique? Si ce n'est pas au sommet de l'État là-bas, il y a problème, c'est avec les particuliers. Arrêtez d'exploiter cette jeunesse-là. La jeunesse africaine souffre déjà. Aujourd'hui, voici la jeune fille. Je serre mon cœur pour économiser mon argent pour aller en Europe. Vous croyez que cette fille-là, demain, quand elle va aller en Europe, là, elle va regarder l'Afrique d'une façon bien. Quand elle va arriver en Europe, puis elle va comprendre qu'elle a travaillé aujourd'hui, elle a travaillé un jour. On va lui donner son salaire même jour-là. Mais il y a un autre regard qu'elle va porter sur l'Afrique. Ça, c'est clair. Vous croyez que quand on critique, là, c'est pas on déteste l'Afrique. Mais ce qui est sur nous autres, là, on a démissionné de l'Afrique. Moi, il y a longtemps, il y a vieille, j'ai démissionné de l'Afrique.
à cause de ce genre de mentalité. Le jour que je suis arrivée au Canada, le premier travail où je suis partie, j'ai dit, ah, le travail est trop dur pour moi. Un travail dans l'entrepôt, j'ai fui. Mais quand j'ai fui là, j'ai dit que je fais une journée. Le gars m'a dit, ah, faut t'asseoir, tu vas chercher un autre. Ils vont t'envoyer ton salaire. J'ai dit, un jour, on va envoyer le salaire. On m'a envoyé la feuille de un jour là. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Payer, ça dit que faisons de telle sorte que chaque Africain se sente bien dans son continent. Oui, mais si malheureusement, je ne me sens pas bien là-bas, désolé là, où je me sens bien là, c'est de là que je vais parler. Mm-hmm. C'est ça. Quand j'étais en Afrique, j'étais pas d'accord déjà pour les problèmes de pouvoir dans les entreprises. J'étais déjà contre ça. Oui, je travaillais à la banque. Je travaillais à la banque quand j'étais en Afrique, mais je n'aimais pas l'affaire des pouvoirs. Parce que je trouvais ça trop injuste. J'ai dit, mais attends, et à cause des pouvoirs, quand quelqu'un vient, c'est celui auquel qui va donner le pouvoir, c'est à lui on va accorder de l'importance. Je voyais comment les caissiers traitaient. Ah, le Achebel, il est venu aujourd'hui. Lui, il prend les millions, mais s'il a trop donné à quelqu'un, c'est 10 000. On a bien entendu ça dans les banques. Donc, j'étais déjà contre ce concept-là. Ce qui fait que quand je suis arrivée au Canada, et puis déjà, j'ai lu les papiers ici, j'ai compris que on ne donne pas de pouvoir à la caisse. J'ai dit, c'est fine. J'ai fini par comprendre. Et c'est une question d'équité. Quand on ne donne même pas de pouvoir, il y a de l'équité. Parce que ça rend juste. Il y a, parce que où on donne le pouvoir là, ça dit on va donner, on va apprécier le service. On va rendre le service plus clean pour celui auquel on donne le pouvoir. Toutes ces pratiques-là, on en parle. Pourquoi on essaie de les mettre en pratique là-bas? Ceux qui sont vos responsables là-bas, là, ils ont fréquenté l'école dans des écoles de l'Occident ici. Donc, c'est pour ça qu'on critique. Pour que ça s'améliore, c'est pas normal que en 2021, quelqu'un travaille pour toi et puis tu payes pas son salaire. Mais comment vous vous sentez quand des gens travaillent pour vous? Oui, moi, il y a des jours quand je suis mal prise là, j'appelle ma soeur, je dis pardon, viens, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, viens, tu vas prendre ma place. Mais quand ma soeur prend ma place là, le soir, elle veut partir là, je mets son âme dans son enveloppe, SASA, elle a travaillé pour moi. Je veux pas dire que parce qu'elle est la fille de ma mère, donc non, ça a resté Bella, ça a resté cadeau. Mais non! Si j'emploie une Québécoise ici, est-ce que je ne lui donne pas son argent? Je lui donne son argent pareil. Donc, c'est la même chose. Quand vous employez des gens, ben, donnez le salaire. Oui, c'est le salaire qui fait vivre. C'est à travers le salaire, lui aussi, il va planifier ses choses. Mais non, toi, tu vis avec un blanc, tu as ton mari, tu mènes ta vie cossue là-bas, et puis ton hôtel fonctionne bien, et puis toi, tu ne payes pas les employés, et puis toi, tu dors tranquille. Comment vous vous sentez quand c'est comme ça? Dans quel état d'esprit vous êtes quand des gens travaillent pour vous et puis pour payer leur salaire, c'est un problème. J'ai vu la vidéo d'une jeune fille, oui, j'étais malade. J'ai vu la vidéo d'une jeune fille, une certaine Yohou, hein, quand j'ai vu son visage là-bas, Diane Mouri, au pays, chez nous on dit Diane Mouri, petite paresseuse. J'ai vu son vidéo là-bas, oui. J'en parle pour attirer l'attention aussi des jeunes, une certaine Yohou, qui critiquait une dame du nom de Vanessa Fashion. Maman, ma petite, hein, ma fille, c'est pas, il était malade, sinon j'allais tomber sur toi. Parce que ton visage, je voyais dans cette vidéo-là, c'est le visage des filles paresseuses là. Non, hein, que le premier jour, on était en retard. Tu trouves, est-ce que vous vous entendez? Le premier jour de travail, tu étais en retard. Et puis tu veux qu'elle te perçoive comment? Mais c'est normal, moi je t'attends le premier jour de travail, pour que tu viennes travailler et puis tu es en retard. Quel argument tu vas me donner? Tu vas me donner quel argument? Quand il y a une tempête ici au Canada, tu vas quitter plus tôt. Quand il y a le verglas, tu vas quitter plus tôt. Quand il y a l'embouteillage, tu vas quitter plus tôt. Donc, votre affaire de non, j'étais tombé dans l'embouteillage, tu es tombé dans l'embouteillage, j'ai plus quoi. Est-ce que c'était le problème de Vanessa Fashion? C'est pas son problème partout. Et tu te mets là, à dire non, elle ne dort pas. Si elle ne dort pas, c'est ton problème. Si elle fait son entreprise là, si elle veut mettre 10 caméras, elle a le droit de mettre ses 10 caméras dans son entreprise pour que son business marche. Parce que vous aimez la facilité, vous aussi, cette jeunesse-là. Je dis que quand on t'embauche là, il faut penser à la productivité. Oui, ce que j'apporte à l'entreprise là, c'est ça. Parce que c'est pas Vanessa Fashion qui va te payer. C'est ce qui va rapporter à l'entreprise là. C'est que toi, tu fais ton travail, puis ça rapporte à l'entreprise. C'est ce qui va être ton salaire. Donc, voici pourquoi je n'étais pas contente de cette dame de l'hôtel. Parce que, hein, Rose Yohou, hein, Diane Mouri, Rose Yohou officielle, appelez-la ici. Diane Mouri, petite paresseuse. Quand j'ai regardé son visage là-bas, elle ressemble à ma petite soeur Léocadie. Et puis elle parlait, elle croyait qu'elle avait raison. Tu n'as pas raison là-bas. Raison de quoi? Mais elle vous crie dessus, tout et tout. Ok, elle vous crie, n'a pas le droit de vous crier dessus. Mais les arguments, tu as expliqué là, mais tu as expliqué à toi-même. Ça dit, c'est comme si tu quittais Adaloa pour arriver à Oumé chez mon mari là, mais ça n'a pas donné quelque chose. Vous comprenez? Parce que vous aimez la facilité.
Premier jour d'emploi, même chez le blanc, premier jour d'emploi, tu viens en retard. Déjà, il va commencer à t'étiqueter. Ah oui, 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 oui. Parce que quand tu viens travailler là, tes arguments de pourquoi tu vas venir en retard, c'est à toi de t'arranger. Hein? Il faut qu'on vous serve dessus. Moi, je suis d'accord pour que oui, vous êtes des jeunes, hein? On doit vous serrer dans le travail, mais il faut qu'on vous respecte et qu'on vous paye votre salaire. Le combat que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est le combat du respect et puis restituer le salaire jusqu'au dernier sou à la personne qui a travaillé pour toi. Quelqu'un qui travaille pour toi là, son argent doit pas être crédit dans ta main. Pourquoi mon argent va être crédit dans ta main? Je travaille déjà pour toi. Ça veut dire que je suis là, matin, midi, soir, je brave les intempéries, les embouteillages, tout et tout. Et puis je viens travailler, je suis à l'heure. Je fais mon travail correctement, mais mon salaire, c'est non négociable même. Pourquoi je vais négocier mon salaire? Et vous avez cette manie là, on n'a pas payé pour ce mois là, on saute et puis on va payer moitié. Où tu avais vu ça? Tu as vécu en Europe là, tu as vu ça où? Où on a payé un peu et puis on va compléter sur l'autre mois. Comment vous faites quand vous sautez les mois de salaire? Comment vous vous sentez? Hein? Comment vous vous sentez? Quelqu'un travaille pour toi. L'argent est rentré. La personne a vu que l'argent est là. Et puis, tu n'as pas payé la personne. Le mois est fini. Fio, comment vous vous sentez? Je vous ai dit que ça dit que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir d'abord. Je vous l'ai dit et je vais vous le répéter autant de fois. Ça, là, on ne peut pas voir ça. Tu ne peux pas travailler. Ma mère a travaillé dans une société des blancs, à la SOGB. Au début, c'était les blancs qui géraient cette société-là. C'est là-bas ma mère a travaillé jusqu'à elle a pris sa retraite. Mais on a vu comment ça fonctionnait. On a vu comment ça fonctionnait. Quand ils sont au devant des choses, comment ils gèrent les choses. Dès qu'eux, ils sont en train de gérer là, quand on nous donne la passe là, il y a un problème qui va venir tout de suite. Quand ils nous dominent, hein, je vois les panafricanistes, non? Les blancs sont comme ça. Je dis, je préfère mille fois travailler les blancs que les noirs. Parce qu'il y a toujours problème chez nous. On ne respecte même pas les droits primaires du travailleur. Quand tu travailles le blanc, il va respecter tes droits. Il connaît sa part, tu connais ta part. La preuve, quand les filles se plaignent au blanc, il dit, c'est pas moi, c'est votre soeur. Donc, ça veut dire qu'il est conscient que ce que sa femme est en train de faire, c'est pas correct même. Mais elle le fait. Pourquoi vous faites ça? Traitez vos employés comme vous-même, vous aurez voulu qu'on vous traite correctement. Mais il n'y a rien de plus gratifiant que tu as fait le travail et puis à la fin du mois, tu vois ton salaire, tout est dans ta main. Comment vous mettez à la place? Comment ces employés-là se sentent? J'ai dû partager le direct, mes personnes. Vous partagez. Comment ces personnes-là se sentent? Quand elle a vu qu'elle a travaillé, elle a souffert. Le travail dans la restauration, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail où on marche, on tourne sur soi. On va ici, on t'appelle ici, tout ça. Mais des gens souffrent et puis à la fin du mois, soit c'est la moitié du salaire que tu donnes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ce genre de comportement-là, il y a une différence entre ça et puis comment le colon nous traitait avant. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence que comment le colon traitait l'Africain. C'est le même comportement qui continue. Quand l'Africain a réussi là, au lieu de lui-même, ça dit que ça dit son orgueil, ça n'a qu'à être pour lui-même, c'est pour écraser les autres. Moi, je suis contre le fait que parce que tu vas bien, parce que ça va bien chez toi, tu as une business qui fonctionne bien et tu vas venir écraser les autres. Parce que quand tu ne payes pas mon salaire, alors que ta business fonctionne, ben, tu es en train de m'écraser. Tu es en train de m'aliéner dans tous mes droits. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? Pourquoi c'est si difficile? Vous comprenez? Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc faites attention. Quand vous avez vos affaires là, ça dit que faites ce qui est bien pour vous. Faites respecter les gens dans leurs droits. Hein? Apprenez à respecter les droits de ceux qui travaillent pour vous. Je travaille pour toi, mais je ne suis pas ton esclave même. Je travaille pour toi, je ne suis pas ton enfant. Même si je peux avoir l'âge de ton enfant, comme vous dites là. D'ailleurs, moi, je vous ai dit, votre affaire de nom, je prends mes employés comme mes enfants, tout et tout. Ce sont des mentalités grégaires des Africains. Sortez de ça. Hein? Ton employé, la traite-le comme un employé. J'ai dit que quand ma soeur vient ici, je lui donne les mêmes règles pour travailler comme quand une Québécoise vient. Ouais, j'ai dit que c'est de la sécurité des enfants d'abord. Ce n'est pas une affaire de ma grande soeur, petite soeur. Elle fait correct le travail, puis elle rentre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la familiarité, c'est cette proximité souvent que vous créez avec les employés qui font que parfois là, vous les lésez dans leurs droits. Ah oui, 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 oui. Ah oui, le fait que tu dis non, je le prends comme mon frère, je le prends comme ma soeur, c'est ça qui te pousse à léser ses droits. Vous comprenez? Arrêtez ça.
Traitez-les à part entière. Respectez-les dans leur dimension, dans leur entité totale. Et puis, quand ils viennent, vous leur dites, je préfère une employée qui est une employeur correcte, un employeur correct, quand je dis correct, qui me respecte, qui me parle avec respect, qu'un employeur qui crée la familiarité. Mais regardez le problème des servantes, c'est la même chose. Je vous ai dit qu'arrêtez dans le même. Dieu merci, maintenant on ne fait plus trop les tissages. Parce que j'avais vu une vidéo où, oui, dans un truc là, ma servante est partie. Elle n'est pas gentille. Pourtant, quand j'enlevais mes humanaires, je lui donnais, madame, c'est pas une question de gentil, là. On ne t'a pas demandé d'être. Je n'aime pas cette expression gentille là. On vous demande d'être correcte. Soyez correcte. Correcte, ça veut dire que je respecte tes droits. Je te respecte. Donc, tu sais ce que tu as fait. Je n'ai pas à te dire, je n'ai pas à te poursuivre dans la maison ou bien dans l'entreprise pour que tu saches quoi faire. Tu connais ton travail, je te traite avec respect. Parce que les Africains, c'est à faire de ma soeur, mon frère, mon petit frère, ma grande soeur. C'est ça qui crée problème. C'est à faire de, c'est ma soeur, alors qu'elle n'est pas un membre de ta famille. C'est mon frère, c'est ça qui crée les problèmes. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas, on se fourvoie chaque fois. Vous comprenez? Il est temps qu'on change nos mentalités. Ça veut dire que c'est intolérable pour moi, surtout quand quelqu'un a vécu ici. Ça, là, c'est trop difficile pour moi. Je peux concéder ça. J'ai dit que je peux concéder certaines choses à quelqu'un qui n'a pas voyagé. Je peux te concéder ça. Mais quand tu as voyagé et puis tu fais pour moi, là, ça veut dire que tu fais exprès. Ça veut dire que tu rabaisses l'autre. J'ai un problème avec ça. Ayez des comportements professionnels. Soyez des professionnels. Tu comprends? Quand tu es professionnel, là, mon fils, Stéphane Le Zangalais, salut à toi depuis ta position. Vous comprenez? Quand tu es professionnel, que tu payes le salaire, ils vont dire, ah, la tante, eux-mêmes, là, ils vont dire, ah, notre boss, là, elle est due, mais elle paye notre salaire. L'Africain, tant que tu payes son salaire, tant que tu lui parles, elle respecte dans le travail, mais il va te respecter, il va durer dans le travail. Mais quand tu mets la familiarité pour que demain, tu vas venir là et dire que non, un employeur qui va venir gratter la tête devant son employé, non, c'est moi, là, ma maman était malade. Are you serious, là? Êtes-vous sérieuse, mesdames, messieurs, là-bas? Ta mère est malade, est-ce que c'est mon problème? Hein? Quand moi, ma mère est malade, là, je viens te dire ça au travail. Hein? Est-ce que je viens te dire, tu as quel problème avec ton mari? Donc, attends, tu n'as pas payé mon argent. Est-ce que moi, je viens vous expliquer, nous les employés, est-ce que nous, on vient vous expliquer nos problèmes qu'on a? Mais pourquoi c'est vous, quand c'est pour payer nos salaires, là? C'est là que vous nous expliquez nos problèmes. Je devais payer tel fournisseur, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, là, c'est que déjà, je t'apporte de la productivité. Ça veut dire que je t'apporte ce que je connais. Je fais ce pourquoi je suis là. Donc, mon salaire, là, tu me le donnes, ça, quand le temps est rendu. Vous comprenez? Quand on le dit, ça offusque. J'ai fait une vidéo, tantôt, laisse arrêter, les servantes n'ont qu'à arrêter même de vous appeler tantôt dans les maisons. Hein? La servante, là, c'est pas la fille de ta soeur. La servante ne fait pas partie de ta famille, même. La servante doit t'appeler madame. Quand vous commencez par madame déjà dans la maison et que tu payes régulièrement son salaire, elle sait quoi faire. Elle fait quelque chose. Tu lui parles avec un ton ferme, mais dans le respect. Alors que oui. Une servante, là, exemple, qui bouscule les enfants, qui parle aux enfants en désordre, tu peux lui dire non, j'aime pas la façon dont tu parles aux enfants. Quand tu vas lui parler sur un ton, là, elle va voir que le ton est ferme, mais il est respectueux. Ça, c'est qu'on vous demande. Vous comprenez? De la familiarité, du mépris. Vous méprisez les gens là-bas, pourquoi? Vous méprisez pourquoi? Tu as créé ta business, ça te donne le droit de mépriser ceux qui travaillent pour toi? Non! Vous comprenez? On ne parle pas à un employé devant des clients. Même si l'employé s'est mal comporté là, tu viens tout de suite, tu essaies de réparer la faille avec un sourire, tout et tout, mais tu le prends à l'écart, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous, les chefs de business là, vous qui avez vos business en Afrique là, je ne sais pas si on doit refaire vos éducations. On est là pour ça sur les réseaux sociaux. On est là pour ça. Vous parlez à des employés devant, l'employé a déjà fait une bêtise, mais ce n'est pas devant le client que tu le reprends. Tu penses que quand tu vas reprendre l'employé devant le client, c'est là on va dire que tu es correct. Non, tu n'es pas correct, toi-même pas à tous. Il a fait la faille, là, tu le rends. Mais nous ici, déjà, on le connaît. Quand ta boss te dit, Monique, je te veux te voir au bureau après, là. J'ai dit que tu marches les fesses serrées déjà. Par exemple, on veut te voir au bureau. On veut te voir au bureau, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Monique, j'ai fait quoi aujourd'hui, oh?
Et puis tu t'en vas et te dis non, bon, c'est pour tes vacances, tout et tout, tout et tout. Vous comprenez? Donc, la façon dont vous voulez que les employés aussi soient corrects là, ben, vous aussi faites du travail à vos niveaux. Parce que vous aussi, vous avez reçu vos éducations, hein. La preuve, hein, je suis en tout cas, c'est bon, je défends. Donc, quand j'ai vu la vidéo de Yohou, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, c'est là. C'est les petites paresseuses, tu crois que la vie est facile. Donc, ça veut dire que j'apprécie le comportement de Vanessa Fachon. Oui, c'est vrai, on t'a reproché dedans que tu cries sur les employeurs, tu leur parles mal, ben, il faut revoir ce côté. Mais sinon, sur le côté comment tu traites ta business là, ben, continue comme ça, ma chère. Ben, c'est toi qui sais comment tu as souffert pour créer ta business. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de te dire, mais moi, ce que je vous demande, le respect. Respectez vos frères africains. Respectez-les. Ben, demain aussi, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir. Vous savez pas. Ben, appelez-la là-bas, dites que l'impact, dites que tu es une Yanoumoui. Petite paresseuse. Vous comprenez? Oui, mais ça dépend de la mentalité, ça dépend de quoi. Mais à un moment donné, il faut qu'on travaille sur la mentalité, là. On va pas rester dans ça tout et tout. Il faut qu'on travaille. Cette femme d'entreprise dont je suis venue parler de son dossier aujourd'hui, ben, c'est une femme qui a vécu en Europe avec son mari, tout et tout, est rentrée en Côte d'Ivoire. Et c'est avec ça que j'ai de la misère, j'ai même de la misère avec ça. Ah oui, tu as vécu ici, tu connais les règles. C'est comme moi, l'impacteuse, demain, je m'en vais créer une entreprise. Ben, c'est ce que j'ai appris de bon ici que je vais essayer de mettre en pratique. C'est comme une dame qui m'a rejoint, elle veut créer une crèche, tout et tout, en Afrique, tout et tout. Ben, on essaie de parler, j'essaie de la coacher. Je lui ai dit, oui, il y a des choses qui sont peut-être bien ici. Je vais t'expliquer, mais est-ce que tu es capable de les mettre en pratique? Ne pas frapper les enfants, ne pas bousculer, ne pas crier. Elle dit, aïe, donc comment vous faites là-bas? J'ai dit, le ton ferme. C'est ça. Elle dit, donc là-bas, vous ne criez pas sur les enfants. J'ai dit, non, ce n'est pas normal. Des enfants que tu es en train de prendre, tu ne cries pas sur eux. La preuve, hier ou bien avant-hier, j'ai dit quelque chose à un des enfants ici. Le plus grand m'a dit, Monique, on ne dit pas ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, on ne dit pas ça. Parce que moi, j'avais l'habitude de lui dire ça. Donc, vous comprenez? Ah oui, on ne crie pas sur les enfants, on ne frappe pas les enfants, on ne bouscule pas les enfants, mais il y a des méthodes qu'on peut mettre en place. Est-ce que tu es capable? Oui, tu dis, tu as fait ça à la Riviera, chez les boss là-bas. Est-ce que tu es capable de les ajuster là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc la réalité est là. Payer les employés, ça va chez toi. Si tu vois que ça ne va pas là, ah, ils vont fermer, mais si ça va chez toi, paye l'employé qui est là. Et les employeurs aussi, on est là pour leur donner des conseils. Quand tu rentres dans une entreprise, tu es rentré dans ma business, tu dois avoir pour souci de la productivité. Oui, j'insiste sur ce mot-là. La productivité, c'est quoi? Qu'est-ce que moi j'apporte? Quels sont les mécanismes que moi je vais mettre en place pour que ça marche? À travers le sourire, l'accueil, quand le client rentre, tout et tout. Comment on va se servir? On va servir les clients, la propriété, tout et tout. Quand les gens rentrent dans ce restaurant, on doit dire, ah, tu as un bon personnel, et en tout cas, ton personnel est propre. On doit être des gens irréprochables dans l'entreprise. Ça apporte de la productivité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si toi, on t'apporte la productivité, mon salaire, là, on ne va pas tirer sur la corde. Comme je l'ai dit, il y a des années ici, il y a une mère de famille. Oui, c'est vrai, mon entreprise, il y a une partie où le gouvernement suis subventionné, mais il y a une partie aussi où je suis autonome. Je lui ai dit ce matin, la première fois, j'ai négocié avec elle pour qu'elle paye. Hein. Il y a des parents aussi pour qu'ils payent ton enfant. Oh, j'ai oublié. Tu as oublié, mais chaque matin, tu n'oublies pas de m'envoyer ton enfant. Je lui ai donné le premier avertissement. Le deuxième avertissement, je lui ai dit, tu sais quoi? Je cours déjà après tes enfants. Elle en avait deux ici. Je ne peux pas courir après mon argent. C'est comme ça qu'elle lui a parlé, raide, belle raide, comme on dit au Québec. Elle a tiqué pour une Québécoise. Je lui ai dit, ah oui, je cours après tes deux enfants déjà. Mon argent là, je ne cours pas après ça par tout là. La prochaine fois là, je vais devoir suspendre le contrat. Elle n'a plus fait ça quand ses enfants sont partis. C'est clair. Aussi clair que ça. C'est pour ça que je n'aime pas la familiarité avec les parents dans les entreprises, tout et tout. Il n'y a pas de familiarité, mais je les respecte. J'aime les enfants. Après, vous me voyez comment, quand il s'agit du dossier des enfants, comment je suis en ébullition. C'est ça qui est là. Donc, on est là pour vous dire. Désormais, vous avez vos entreprises. Oui, c'est vrai, soyez ferme. Je veux des employés fermes, oui. Des employés qui respectent les employeurs. Pardon, des employés qui respectent les employés, mais qui sont fermes. Je n'aime pas la familiarité. Cette proximité-là, on crée la proximité. On crée cette proximité. Et puis demain, ça crée tous les problèmes.
payer le salaire des employés quand il les prend. Parce qu'un employé que, dont tu ne payes pas le salaire, tu ne peux pas savoir comment il se sent. Tu ne connais pas ses charges. Peut-être que sa femme est enceinte. Peut-être que ses enfants sont malades. Tout et tout. Et puis toi, tu te la pètes. Vous vivez la belle vie. Et puis vous ne payez pas le salaire de ceux par qui passe votre salaire. Ah oui, c'est le travail qui vous apporte, qui vous envoie l'argent. Donc pourquoi on ne paye pas le salaire de quelqu'un? Et vous êtes nombreux comme ça en Afrique. L'Africain est celui qui est toujours prêt pour venir gratter la tête devant ses employés quand il s'agit de payer le salaire, même si l'entreprise fonctionne. Les comportements de la honte, les comportements du mépris, les comportements de rabaissement qui font que l'Africain est toujours mal vu. C'est ça qu'elle a. Tu as vécu en Occident. Je suis offusquée. J'ai été estomaquée quand la jeune fille m'a dit, j'ai dit, es-tu sérieuse là? Elle dit, maman, je ne te mens pas. Tu as vécu là-bas. Maintenant, quand on arrive en Afrique là, on se dit c'est là-bas qu'il y a la poubelle. On se dit c'est là-bas qu'il y a de la bullshit. Donc, on se comporte comme on veut. Il faut arrêter ce genre de comportement. Prenez ce que vous avez appris de bon ici et puis mettez ça là-bas en pratique. Ça a fait que vous qui aimez tant l'Afrique, hein, parce que quand vous parlez, c'est nous qui détestons l'Afrique. Vous qui aimez tant l'Afrique là-bas, là, ça a fait que l'Afrique va évoluer. Vous paraissez bien, tout et tout, mais tu parais bien et puis tu ne payes pas tes employés. Donc, tu es nul. Et c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup d'argent, et puis il est surendetté. Tu as l'argent, tu as 1 million, 2 millions dans ton compte, et puis tu dois près de 3 millions à quelqu'un. Donc, tu n'as pas l'argent. C'est ce que vous êtes. Vous brillez, vous avez vos business, vous brillez, et puis vous ne payez pas les employés. Donc, ça veut dire que tu n'as rien. Parce que si tu n'es pas capable de payer ton employé, ça veut dire que tu n'as rien. À moins que ce soit la mauvaise foi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez. Payez vos employés. Donnez-leur ce qu'il faut. Si tu as dit 100 000 francs, c'est 100 000 francs que tu lui donnes. Dans 100 000 francs là, il va faire ses calculs, il va calculer tout et tout pour voir où ça arrive. Mais ce n'est pas là, maintenant, tu vas venir gratter ta tête pour venir expliquer tes problèmes. L'employé n'a pas besoin de savoir tes problèmes. Comme le malade qui va à l'hôpital n'a pas besoin de savoir que vous manquez de matériel. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu à l'hôpital pour me soigner. Je ne suis pas venu pour savoir qu'est-ce qui manque là-bas. Le personnel manque autre là. Ce n'est pas mes affaires. Moi, je suis là, je me dis que vous devez vous occuper de moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça aussi. Quand le client vient là, tout ce qui ne va pas au sein de l'entreprise, le client n'a pas besoin de savoir. On fait tout pour mettre le client à l'aise. C'est la même chose que tu dois mettre tes employés à l'aise. Payer désormais le salaire des employés. Désormais, là, on m'envoie un dossier comme ça. Là, je rentre en contact avec toi. Je viens jeter ton entreprise sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. Je t'ai dit ça hier. J'ai dit aujourd'hui, comme on a parlé, désormais, quelqu'un m'envoie un dossier quoi, avec toutes les preuves. Tu es un grand hôtel ou tu es quoi? Je viens et te jette sur les réseaux sociaux. Pour vous dire, payez vos employés. Les autres aussi ont droit au bonheur. Il faut que tout le monde a droit au bonheur. C'est vrai, hein? Toi, ton bonheur, il est immense. Mais pour lui, là, c'est son salaire là qui fait son bonheur. Donc, il faut lui donner son salaire. L'employeur ne doit pas venir négocier son salaire dans ta main. Alors que vous avez entendu, il fait correctement le travail. Vous comprenez? Revoyez-vous. Revoyez-vous. C'est ça, ces mentalités-là qui font que l'Afrique ne va pas aller de l'avant. Ouais, tu vas faire ça, hein? Mais quand tu arrives en Europe, tu vas prendre maintenant le, tu vas te mettre dans la peau de l'Europe. Et puis quand on arrive en Afrique, on se met dans la peau de l'Africain où on va aller aliéner son propre frère. Oh que oui, oui, oui. Quand ton frère travaille pour toi et puis pour lui donner son salaire là, tu vas venir expliquer tous tes nombreux problèmes ou bien tu vas sauter un salaire. Oh my God, j'hallucine. Tu as vécu en Europe, tu sautes le salaire de quelqu'un, maman. Tu as 2 enfants, tu as ton mari, tu as une grosse maison, tu vis bien. Tu sautes le salaire de ton propre frère noir, alors que tu as l'argent pour lui donner. Il est 7h05, je vais vous laisser. Partagez le direct. Que Dieu bénisse l'Afrique. Au revoir.